Bonjour, bonsoir. Dans la vidéo, ça nous va montrer comment on est capable d'utiliser l'élément TikTok ça dans Elementor. Comme on connaît, TikTok c'est un réseau social qui a vali terrain. Par conséquent, ou même qui c'est entrepreneur, il est important pour capable d'utiliser TikTok dans le business. Mais il y a un problème, c'est que Elementor n'est pas venu avec icône ça par défaut dans le plan lieu. Et dans la vidéo, ça nous va montrer comment on est capable upload plan ça ou bien upload un package icône TikTok là dans Elementor. Et on va le montrer par exemple là moi j'ai un autre website là dans website ça si moi choisi élément icône social là on va chercher ensemble avec vous marquer icône social et on choisit là les gain par défaut Facebook, Twitter, YouTube, il y a quelques autres encore. Mais TikTok là soit chercher ou pas joindre. Ouais là, moi laisser chercher là. Me cliquer sur ça, m'a écrit TikTok. Li pas paraître. Et moi va le montrer comment vous capable upload un package TikTok là en dans Elementor. Pour nous faire ça, nous va utiliser deux websites. Premièrement, nous va utiliser website ça qui en anglais, m'a quitté dans description vidéo. Website ça li rele Simple Icons. Quoi c'est comme ça le traduit en anglais. Et ben moi rentrer là dedans à 0 simpleicons.org dans search là ou marquer TikTok et automatiquement la présenter devant là ou cliquer dans petit flèche là pour capable download li. Cliquer sur lui ou après que li download en bas là. On a là, nous pourrons rentrer dans l'autre website qui est fontelo.com. Lorsqu'il vient pas ça, vous pourrez draguer et premier et TikTok là que vous avez download là, vous draguez, vous mettez la page là. Ok. Lorsqu'il drague, regardez-moi, vous pourrez marquer TikTok là. Et puis ou après que icône là les présenter. Et tout de suite après les icônes TikTok là pas présenté là. OK. Ou cliquer dans petit bon, on va besoin faire ça. On fait menu, que t'en écrit là, on va juste cliquer côté qui dit download web font. Ou cliquer là-dedans et puis li pral download dans format zip ça. C'est format ça que nous pral upload en dans Elementor. On y a qui s'en a fait, on va aller en dans page website moi là. On est en dans bra dans website ça qui pour qu'on gagne package Elementor là. On va faire la 0 ensemble avec nous. Bon sorti dans page Elementor là pour nous capable faire ensemble avec nous à partir de 0. M'a sorti. Allez, allez. OK. M'a cliquer sur ça encore pour capable sortir, on va faire la 0 ensemble avec nous. Allez, on allez. OK, on va créer pas ça ensemble avec nous. On aller dans page additional nova. On va le by page là TikTok. TikTok tutoriel. M'a tout publié là. Et puis on va le faire un bagage ensemble avec nous là, me tout montrer nous un petit détail là. Bon moi. Et OK, m'a republié encore. Et puis là m'a édité avec Elementor. OK, il est presque téléchargé là. On allait. OK. Bon moi retirer menu là Elementor Canva. OK, on va choisir bon moi mettre là avec yon structure, yon colonne et puis on va chercher élément icône là. Allez dans 9 petits points là, marquer icône sociale, ça c'est lui-même, moi draguer et puis moi pral mettre package icône là. Ah non, gon bagay que m'blie fait. Bon, moins dupliquer page là, on va retourner dans
page administration et on pourra le retourner là dedans là. Allez rapide. Après retourner. Avant moi créer page là, moi besoin aller dans Elementor, OK? Et puis on pourra aller dans icônes personnalisées. C'est là que nous pourrons upload page là. Nous pourrons upload dans un fichier en zip là. Je vais cliquer sur additionnel nouveau. Je vais ouvrir le TikTok. TikTok tutoriel. Et puis là, je pourrons mettre zip là que je vais download là. Je dois juste draguer là. Puis je vais juste aller chercher dans l'ordinateur là. Ok, ça c'est lui-même. Ou elle va que Fontello. Et puis, moi upload li. Ok, là, on voit que li getan paret là avec icône TikTok là. Je vais actualiser. Ou n'y a là, moi ka ale nan website moi. Hein? Elle nan page kote m'tap kreyan là. Ouais, ça c'est nan page là. Bon, moi actualiser page là tout. Actualiser. On a supposé joindre icône TikTok là. Pour aller dans élément ça là, on peut ajouter une autre icône et puis m'a cliquer sur icône dans WordPress là et puis on va marquer TikTok. Voilà, il est apparaître devant moi là, il est apparaître TikTok tutoriel. Cliquer sur lui et puis m'a cliquer sur TikTok, cliquer sur insérer. Actualiser page là là. Bon, moi mettre TikTok là là, pas paraître, moi semble faire une erreur, bon moi effacer, moi pour remettre là encore. Cliquer sur icône là. Semble c'est pas là, m'te doit cliquer, m'a juste chercher icône là, m'a écrit TikTok. Bon, il pas monté. M'a cliquer côté qui dit todos os icones. Avec toute icône là, là il paraît. Voilà. Une solution là, puis me cliquer sur TikTok, moi cliquer sur insérer et puis icône TikTok là là li paraît. Et qu'on y a là une fois que icône apparaît là, on doit mettre lien page TikTok ou là ou ka personnaliser couleur TikTok là là. Ouais, côté qui dit col official là, on mette personnalisable, on mette couleur de fond, ou elle changer là, sous les mettre couleur bleu et couleur vert ça ou actualiser ou personnaliser le nan goût pa. Voilà, li semble avec pa ça. Bon, vidéo a te bay problème, mais nous sorti avec solution, nous espérons que tu apprenn yon bagay et dans prochaine vidéo nous pral bon plus information par rapport avec Elementor. On va montrer comment pour capable faire et tout design ça yo qui intéressant non, ça c'est l'autre page là que m'a créé là. Et dans prochaine vidéo, on va pour plus détails par rapport avec Elementor. Bon, c'est là que on a fini avec vidéo nous aujourd'hui, c'était amis Michel Oprévo Kadou. Ciao ciao et à la prochaine. Oh.